Hey, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, mais en tout cas, ça va super, j'ai la patate, j'ai la forme. Et aujourd'hui, on se retrouve avec bonne humeur et plaisir sur la Obscur Clan FR avec un putain de gameplay, les gars. Et aujourd'hui, donc, pour le gameplay, on se retrouve avec une nucléaire, une knocked out, donc une nucléaire 1FFA à la AG40, c'est en World First, réalisée par le joueur Obscur Trax. Donc, il nous réalise la première nucléaire 1FFA hardcore avec l'AG40, donc franchement, un gros GG à toi, sa chaîne sera bien sûr dans la description, n'hésitez pas à aller le féliciter dans les commentaires, en tout cas, un énorme GG. Vous l'avez donc reconnu à ma voix, je suis nouveau dans l'Obscur Clan depuis quelques mois, et en effet, j'ai fait un seul commentary par manque de temps, je suis vraiment désolé, mais là, je vais persévérer et essayer de vous proposer le max de commentaries possible. En tout cas, je vais me présenter en deux mots, je m'appelle Alexandre, je viens des Pyrénées-Atlantiques, mon pseudo est Alexar64, j'étais ancien joueur performant sur Black Ops 2 dans l'Obscur Clan FR il y a de cela l'année dernière, maintenant je me suis plus basé dans les commentaries pour l'Obscur Clan et ça me fait super plaisir. Mais avant de commencer le sujet, n'hésite pas à aller liker la vidéo, ça nous ferait super plaisir. Si vous kiffez mon commentary, ma chaîne sera aussi dans la description. Et on commence tout de suite le sujet. Vous ne le savez peut-être pas, mais il y a déjà de cela quelques mois, Sony a lancé une campagne de recueillement d'avis via un sondage afin de vous demander ce que vous attendez au cours des prochaines mises à jour de la console. Nous allons donc voir en détail ce qui va arriver dans la mise à jour 3.5. Parmi ces nouveautés, certains vont en ravir plus d'un sans doute. La plus demandée depuis des mois et même des années, vous l'aurez deviné, on parle bien de l'arrivée des notifications lorsque vos amis se connectent, fonction qui était déjà disponible depuis la PS3 puis qui a disparu sur la PS4, ce qui a eu tendance à embrusquer plus d'un. Mais ce n'est pas tout, d'autres fonctionnalités seront présentes, je vous propose de voir ça en détail. Comme je vous le disais, il va y avoir une fonctionnalité permettant de voir lorsque nos amis se connectent ou se déconnectent. Mais si un ami a tendance à trop se connecter ou à se déconnecter, mais ne vous inquiétez pas de soucis pour ça, on pourra le désactiver grâce à une option. Il y aura aussi un mode hors ligne lorsque vous regardez une série ou un film pour éviter de vous faire déranger et regarder le film en toute épanouité et tranquillité. En effet, lorsque vous regardez une vidéo, un film ou une série, les notifications étaient présentes sous les écrans et c'était vraiment super chiant et dérangeant. Maintenant, vous pourrez vous mettre en mode hors ligne et profiter dans le plus grand des calmes et des respects de votre film. Vous aussi, vous voulez créer un événement planétaire, mais maintenant, pas de soucis, grâce à la mise à jour 3.5, vous pourrez organiser un événement, le programmer à l'heure que vous voulez, et les personnes qui seront enregistrées seront directement redirigées vers la partie à l'heure où l'événement sera fixé. Toi aussi, tu veux partager tes vidéos sur YouTube, Ustream ou encore Facebook ou même Twitch. Maintenant, tu pourras aussi les partager sur Dailymotion, car en effet, la plateforme de diffusion Dailymotion va être rajoutée dans cette mise à jour, ce qui fera plaisir aux adeptes de la plateforme. Le Remote Play va faire son retour vers le PC ainsi que le Mac. Déjà possible sur PS Vita, le Remote Play va s'étendre désormais au PC ainsi qu'au Mac. Pour ceux qui ne sauraient de quoi il s'agit, le Remote Play est une fonction permettant de jouer à sa PS4 depuis sa PS Vita ou PC et Mac désormais, utile lorsque la TV est occupée ou pour autre raison. Donc en effet, le Remote Play sera étendu vers PC ainsi que Mac. Et on arrive déjà à la fin de la vidéo, j'espère en tout cas qu'elle vous aura plu, car moi je me suis fait un plaisir à la réaliser et à faire le commentary. En tout cas, moi je vous dis à la fin prochaine, bisous à la fesse gauche, ciao tout le monde.